Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakool au mic et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de voyager 100 mètres dans un sillage aérien extraterrestre. Alors pour ce faire, vous allez devoir vous rendre à des sites de crash extraterrestres comme je me trouve actuellement. Alors les sites de crash extraterrestres se trouvent à côté de Tirty Docks, donc juste ici. Il y en a un qui se trouve juste ici. Donc c'est les emplacements où la décoloration de la map, comme vous voyez en orange, ben en fait il y a une décoloration, donc ça indique qu'il y a un site de crash. Donc là il y a un site de crash au-dessus de Misty Meadow, il y a un site de crash à côté gauche de Weeping Woods, juste ici. Un site de crash à côté de Bonnet Burbs, juste ici. Il y a un site de crash à côté de Pleasant Park, donc juste ici. Et voilà, là je vous ai montré tous les emplacements des sites de crash. Donc moi j'ai été me rendre à Dirty Docks. Et en fait, les sillages aériens extraterrestres, c'est tout simplement ce que vous voyez là en fait. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est rentrer dans ce sillage aérien extraterrestre et ensuite voyager sur 100 mètres de distance. Vous faites une fois le tour ou deux fois le tour. Je pense qu'une seule fois le tour, ça suffira. Mais au cas où vous en faites, vous faites deux fois le tour jusqu'à temps que le défi se valide. Comme ça, vous aurez terminé le défi. Vous débloquerez des XP plus des lingots d'or. Donc voilà, c'est tout bénef. Enfin bref, j'espère que cette vidéo d'information vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakool Mec et ciao. Peace.